Biancone, ouais, c'est un bon centre. Biancone, la reprise. Biancone se met sur son pied gauche et qui tente. Je m'appelle Julien Biancone, je suis arrière droit au Cercle de Bruges depuis maintenant 2 ans. Je finis ma 2e année et je viens du sud de la France. J'ai été formé à l'AS Monaco qui m'a envoyé ici en prêt. Biancone, le centre au 2e poteau. J'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé ici. C'est une ville, j'ai envie de dire, très romantique, très belle, où il y fait bon vivre. J'aime bien aller me balader de temps en temps au centre-ville, avec les canaux, avec les monuments qu'il y a. Vraiment, c'est une ville qui dégage beaucoup de belles émotions, donc très content d'être ici. Ouais. Vestiaires qui ont été complètement redesignés avec nos visages, nos noms, je trouve que ça fait plus pro et c'est, je trouve qu'on se sent mieux, donc ça déjà c'est une bonne chose. Ensuite, les terrains d'entraînement, le gym, ça a déjà été fait en cours d'année dernière, donc là aussi je trouve qu'on a passé un step dans ce niveau-là. Il y a vraiment de belles infrastructures pour travailler. Et puis Liam Bradel pour jouer, qui est super, avec toujours une pelouse de qualité. Donc je trouve que c'est super important. Julian is a player that is strongly attached with the identity and the values of Cercle. He's one of the favorite players for our fans. He's a player that has grown a lot in the last couple of years. If you take a look at how he arrived at the beginning of these 2 years and how is he now, he has definitely developed a lot physically, as a person has grown a lot, looks more mature, and that's one of the things that we want to achieve with this project. First of all, he has the talent. He has also a lot of time to play and to get experience. After this season, he will have maybe already 60 games on a high level in Belgium League. So this is surely a win-win situation, which makes the player more experienced and which makes him ready for the future. Le talent aujourd'hui dans le football, ça suffit pas. Il faut continuer à travailler et il faut qu'il vienne ici prendre du temps de jeu, en le méritant bien sûr, en travaillant l'entraînement et en allant le chercher. Mais voilà, on continue à toujours avoir ce mot à la bouche, travail, et c'est ça qui va le faire progresser. Et pourquoi pas après retourner à Monaco avec un bagage en plus.